Dieu. Après ces éclaircissements, je me concentrerai sur les possibilités qui nous offrent les technologies pour renforcer nos relations avec les radiodiffuseurs chinois et africains afin de servir le développement des deux régions. Permettez-moi de parler ici de l'expérience de la radio tunisienne dans sa relation avec l'administration nationale de la radio et la télévision en Chine, NRTA, accord signé avec Xiao Shoming, ministre de l'administration de la radio et de la télévision de la République populaire de Chine, à l'occasion de la visite d'État du président Kais Saied à la République populaire de Chine du 28 mai au 1er juin 2024. Nous avons entamé le processus de consolidation de cette coopération par un échange programmatique radio-culturel tunisienne diffuse. Maintenant, une série de médecine chinoise qui nous est présentée par la radio chinoise. Notre objectif commun est d'élargir la base de cette coopération par l'utilisation des technologies modernes et de l'intelligence artificielle dans les nouveaux contenus médiatiques tels que les podcasts et l'échange de programmes documentaires qui ouvrent de nouvelles fenêtres pour rapprocher nos deux peuples.